Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. Tu vas donner un sacré coup de main à ta sœur puisque tu vas m'aider à capitonner une porte. Ouais. Ça te dit ? Tu vois ce que c'est, capitonner une porte ? Non. Non, bah je vais te montrer. Viens voir, j'ai un dessin. Est-ce que ça, du coup, maintenant, ça te parle mieux quand tu vois ce dessin-là ? Ah ouais. Tu vois ? Ça me parle. On va travailler avec de la mousse qu'on va venir appliquer sur la porte et puis après, on va mettre un tissu par-dessus. Okay. Et après, on mettra tous ces petits boutons. Alors, on en mettra certainement un petit peu moins, parce que là, ça fait un capitonnage un peu adulte. Ouais. Et comme ta sœur n'a que 4 ans et demi, on va faire un capitonnage beaucoup plus simple. Okay. Ça te dit ? Ouais. Et en fait, ouais, on va travailler sur une planche que j'ai fait découper aux dimensions de la porte. Ouais. Et on va directement travailler sur cette planche. Ok. Donc, on va commencer par travailler la mousse. Alors, c'est plus encombrant que lourd, hein, parce que, bah, tu vois, c'est tout léger. Pouf ! Et cette épaisseur que tu vois là, c'est, bah, ça va être l'épaisseur du capitonnage de la porte. D'accord. Donc là, on va faire du ciseau. Qu'est-ce qu'on va faire avec les ciseaux ? Ben, on va couper tout simplement la mousse. En fait, je t'explique juste comment ça marche. Viens voir ici, tu vois, ça va être plus facile à comprendre. Pour créer l'arrondi, il va falloir qu'on prenne cette arête-là et qu'on la ramène ici, comme ça. Et là, on va agrafer. Et tu vois, à ce moment-là, il va se créer un bombé, là. Mmh. Mais ça fait de la tension sur la mousse. Donc, on va couper juste cette partie-là, en diagonale. Comme ça ? Exactement. On imagine qu'on l'a retourné, parce que pour l'instant, il n'y a ni d'envers ni d'endroit, donc on va couper cette arête-là. Ça va, c'est pas trop dur ? Ouais, pas trop dur. Super. Ouais. Alors là, on va la retourner, du coup, puisqu'on était censé l'avoir mis à l'envers. Maintenant, on va s'attaquer à autre chose, c'est la graffeuse. Alors, tu connais la graffeuse de l'école, mais est-ce que tu connais les agrafeuses murales ? Les grosses agrafeuses. Les grosses agrafeuses comme ça, t'en as jamais manipulé ? Non. Eh bien, ça va être la première fois. Donc, l'idée, c'est de rentrer, tu vois, avec les doigts, le plus la mousse, ouais, à l'intérieur. Et là... Alors, évidemment, l'idée, c'est pas de s'agrafer les doigts. Je te confie la graffeuse. Allez, appuie. Allez, c'est dur, hein ? Il faut des biscottos, hein, pour travailler. Nickel. Eh ben alors, c'était dur ? Ou pas ? Facile. Facile. Hein ? Hop. On la retourne maintenant. Tu vois, là, ça va être la poignée qu'elle a. Mais la mousse, okay, elle va me gêner. Donc, il va falloir qu'on fasse un trou dans la mousse. Le trou dans la mousse, on va le faire... Ciseaux. Avec les ciseaux. Tu fais comme ça, et puis tu traverses tout droit. Comme ça, t'appuies tout doucement. Voilà. Voilà. Donc, on a vu maintenant le repère. Tu vois, on dégage bien, ouais, trop, l'ouverture. Donc, bah, maintenant qu'on a mis notre mousse, il va falloir mettre le tissu tout simplement dessus et bien l'agrafer et bien le tendre. Donc, le tissu, c'est celui-ci. Tu trouves ça joli ? Ça te plaît comme couleur ? Ouais, toi, c'est pas trop un rose princesse, plus un rose couleur chair. Tu vas de l'autre côté, puis on va bien le placer sur la porte. Hop. Tu vois, quand je tire comme ça, on voit toutes les agrafes, la mousse, parce que c'est un tissu qui marque beaucoup tout ce qui est irrégularité. Ouais. Donc avant de venir le tendre et le fixer par en dessous, on va découper de la barbe du Père Noël. Ça s'appelle du dacron, mais c'est moins drôle le dacron. Mais on va découper des petites bandelettes. Et tu vois, on va venir en mettre légèrement ici. Ça donne pas d'épaisseur, mais ça évite d'avoir toutes les marques qui se voient après. Donc tu vas commencer d'ici. Bon, bah, le premier cas fini. Allez. Voilà. Eh, tu sais, je crois qu'on en a assez. Tu peux t'arrêter là. Tu me coupes là. Hop là. Donc, on va vraiment le dédoubler, on va mettre une fine couche. Hop, super. Gauthier et Monsieur Benoît s'apprêtent à agrafer le vinyle sur la porte. Pour bien le tendre, on va mettre une première agrafe derrière, là, ici. Ouais. Donc, tu peux en mettre une en dessous. Vas-y. Je la tiens. Nickel. Donc là, ce que je vais faire, je vais à l'opposé pour déjà bien tirer, tu vois, et être sûr qu'on soit pas trop lâche. Et je vais te demander de venir à côté de moi, mettre une agrafe ici. Allez, je la tiens. Nickel. Et puis, on va faire la même chose des deux autres côtés. Voilà. Super. On va couper, tu vois, tout ça qui nous sert à rien. Hop là. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'était dit qu'il fallait surtout pas oublier de ce côté-là ? Tu te souviens pas ? Le petit trou de la serrure. Ah oui, la
Le petit trou de la serrure. Donc en fait, on va refaire la même opération avec le tissu et le ciseau pour marquer. Là, on va le faire par en dessous. Hop, suivi. Et vas-y, droit. C'est top. Hop, ici va venir notre petite partie en laiton comme c'était prévu pour pouvoir cacher, regarde. Ouais, il faut visser. J'en mets une, t'en mets une. Ok. Comme ça, tu vois comment je fais. Nickel. Donc là, la poignée. Ah, on va lui mettre comme ça, quand même. Alors, est-ce qu'elle te plaît, cette poignée? Très belle. Elle est pas mal. Il ne nous reste plus qu'à mettre les boutons. Gauthier et Monsieur Benoît atteignent la dernière ligne droite. Ils vont devoir fixer les boutons pour le capitonnage. On va repérer où on veut mettre nos boutons avec des aiguilles. Okay. On va piquer, on va se dire là, 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 et au moins on aura nos repères. Ok. Pour l'instant, on va mesurer. D'accord. Alors, à savoir que moi, je veux mettre deux rangées de boutons, tu vois. Je ne veux pas en mettre autant que sur la porte que sur le dessin. Ouais. Je vais en mettre juste deux, comme ça, une rangée, et je vais en mettre sept comme ça. Donc en fait, il m'en faudra combien? 14. 14 boutons. Bravo, le compte est bon. Alors, sur le bureau, tu vois, là, sur l'établi, il y a une boîte d'épingles. On va repérer 25 avec notre épingle. Donc ça. C'est ici. Nickel. Et voilà. Et voilà, c'est fini. Non, bientôt. Donc là, on a la position de nos épingles. Donc tu vois, ça va donner un motif beaucoup plus light au niveau des boutons. Ouais. Et puis peut-être un peu plus moderne, tu vois. On va passer à attacher un bouton. Donc il nous faut toujours la graffeuse. Ouais. Du fil. Et puis des boutons, surtout. Ah oui. Alors les boutons, c'est là où tu peux être un petit peu créatif. Là, j'avais envie de choisir des petites boules blanches. Tu vois, comme ça. Ouais. Tu les trouves jolies? Ouais. Je t'explique comment on va procéder. Maintenant qu'on a repéré là où on veut mettre une agrafe, ouais, et un bouton, moi je vais tendre un fil au niveau de l'épingle. Ouais. Il faut que ton fil soit maintenu avec la graffeuse. Ok. Donc dans l'idée, j'ai repéré où c'est, j'enlève, c'est ici. Et là, j'appuie méga fort, il faut que je sois presque en contact avec le bois. Et là, je suis en contact avec le bois. Et tu vois, il y a comme l'emplacement du bouton. Et tout simplement le fil qui dépasse, qui fait que je peux complètement mettre mon petit bouton tranquillement, sans avoir à appuyer comme un malade. Et pour bien l'attacher, je le fais passer dans un sens. Et tu vois, je vais passer aussi le fil à l'envers dans l'autre sens. Ça va bien centrer ma perle. Et du coup, on va plus voir le fil. Ensuite, Monsieur Benoît fait tout simplement un nœud avec la ficelle qu'il resserre pour bien maintenir le bouton. Voilà, on les a bien serrés. Donc avec mes petits ciseaux. L'idée, ça va être d'aller couper les fils, comme ça, au bord. Tu vois, vraiment tout au bord. Super! Ben voilà, on a fixé tous nos boutons. Il ne nous reste plus qu'à la visser par en dessous pour qu'elle soit bien fixée sur la porte. Donc ce qu'on va faire, moi, je vais aller en dessous de la table. Ouais. Je vais la visser et on va la fixer aux angles. Donc tu vas bien appuyer comme ça pour qu'elle soit bien plaquée. Puis moi, je visse. Ok. Ok? Ça marche? Donc t'appuies bien ici et je visse. Nickel. Ouf. Alors, cette opération porte. Très bien. On la met debout pour voir ce que ça donne quand même maintenant. Ouais. Prends du recul. Alors la porte, comment tu trouves ça? Très bien. Ça va plaire à ta sœur? Ouais. Moi, je trouve ça nickel. Pour fabriquer cette porte capitonnée, nous avons agrafé une couche de mousse sur une planche aux dimensions de la porte, camouflé les agrafes avec du dacron, agrafé un tissu par-dessus, fixer des perles en guise de boutons à l'aide d'agrafes et de fils, fixer le tout à la porte d'origine, poser une poignée. Pour capitonner cette porte, au total, nous avons dépensé 133 euros.